c'est Arma, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 15, et oui, pour un premier épisode en solo. Donc en solo, enfin je vais vous expliquer un peu le contexte de cette partie là. Mais voilà, enfin on est sur West Bridge Hill, donc la deuxième map qui est fournie avec le jeu. Donc une map qui était déjà sur FS13 pour ceux qui connaissaient un peu le jeu. Et j'ai modifié un peu le départ, donc il y a toujours notre petite moissonneuse qui est là-bas, la même qu'il y a au départ. J'ai acheté un petit pick-up pour rigoler un peu. On a toujours le Dutch Far, comment il s'appelle déjà, AgroStar 6.61. J'ai un petit mode HR Turbo 2090 qui est plutôt pas mal. Et j'ai acheté le Stair donc multifruit avec son chargeur avant. Voilà, tout simplement. J'ai aussi après au niveau des outils. Donc j'aimerais me lancer un peu dans les betteraves comme dans mon ancienne carrière solo sur FS13, donc un peu continuer cette carrière on va dire. J'ai donc la Grim Roadster pour les betteraves avec le chômeur avant, des chômeurs. Et puis j'ai un cultivateur, je sais pas si je vais le vendre, il est peut-être un peu trop gros, peut-être un peu trop... Il va demander un peu trop de puissance, je pense, pour les tracteurs. D'ailleurs, même pour la Grim, ou les deux Grim, je pense que ça va être dur, donc il va falloir investir assez vite dans un tracteur un peu plus puissant que ceux que j'ai là. Parce que le Stair, il est pas énorme, il est juste à... le Stair est juste à 114 chevaux, et je pense qu'il demande un peu plus. On va juste vérifier avant de commencer. Donc il demande... puissance requise 134 chevaux, donc ça peut peut-être le faire. Ça peut peut-être le faire. On verra. Bon, voilà un peu le contexte du jeu, ce que j'ai modifié un peu sur cette partie. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc en fait, pendant que je vais emmener, on va prendre celui-là. Pendant que je vais emmener le tracteur à la moissonneuse, je vous expliquer un peu le contexte que j'aimerais bien faire sur cette partie. Donc en fait c'est une carrière solo, et vous êtes invité à venir partager cette carrière avec moi, donc venir sur ma partie. Il faudra juste vous mettre des liens que je mettrai dans les descriptions à chaque fois pour les mods, et ce sera tout aussi simple que ça. Donc voilà, si vous voulez faire partie, parce qu'en fait j'ai une carrière aussi en multi pour ceux qui le savent, avec Werefox. Le souci c'est qu'on a un peu de mal à s'organiser pour inviter des gens. Alors j'ai créé une carrière un peu solo déjà pour jouer un peu seul, et en plus pour boire un accès direct avec vous qui avez envie de jouer avec moi. Et voilà, donc si vous avez envie de venir, faites-le-moi savoir soit sur Skype, soit sur YouTube, ou soit sur Steam pour ceux qui connaissent mon pseudo Steam. Voilà, dites-le moi et on jouera ensemble sur cette partie avec plaisir. Bon, pendant que c'est en train de se remplir, on va tout de suite ranger un peu les matériaux, les outils. Alors, on va déjà mettre. Donc ça, c'est un semoir à betteraves multifruits d'ailleurs. Il y a les betteraves, blé, orge, colza, maïs, je crois, oui, maïs. Il y a un peu de tout en fait. Il fait tout à part les pommes de terre. Ouais. Alors là, je vais mettre le chargeur avant. Je vais le mettre dans un coin. Du genre. Genre là. Voilà. Nickel. Je vais hop là. Alors ce qui est bien avec ce tracteur, c'est qu'il est vraiment multifonction quoi. Il y a le chargeur avant, on peut mettre des poids sur l'avant, des poids sur l'arrière. On peut vraiment, ouais, tu peux vraiment tout prendre avec celui-là. Je pense à un tracteur le même un peu puissant, genre le T8 je crois, on peut. Donc ça, je pense que ça va être un peu limite, mais ça peut peut-être le faire. Ok.
Donc, peut-être te mettre là-dedans, ça. Ouais, mets-toi dedans. Ok, en tout cas, j'espère que ça vous plaira, cette petite partie sur FS15 encore. J'ai mis un peu le temps avant de la commencer, c'est vrai, mais voilà, j'ai envie de la lancer hein, et changer un peu de map. J'hésite à la faire sur une map montagnarde. J'ai pas trouvé un peu ce qui me plaisait. Il y en avait, mais elle me plaisait pas tant que ça. Donc voilà, j'ai préféré garder un peu la base du jeu. Avec de temps en temps, je vais rajouter un peu des mods. Et du coup, voilà, ça fera un petit changement, ça fera un peu les surprises. Mais bon, j'ai plein de petites idées comme mod. Donc je vais garder un peu mon idée de côté. Et vous gardez la surprise pour les épisodes suivants. Hop là! Ok, oulala, il faut que je mette un poids sur l'avant, sinon ça ne va pas le faire. Alors là, ok, ben, je vais tout de suite le préparer parce que ah ouais. Donc il patine, c'est un poids de combien ça? 100 kilos et ça 1600, ok. I understand. Toi, dégage, va voir ailleurs. Et on va mettre celui-ci. Et tac. Ah ouais, là il faut de la puissance. Je me rends compte que ce cultivateur va pas du tout. Ok, donc ça va pas. On va faire un changement tout de suite, radical. Celui-là, je vais le laisser là. Non, je vais essayer d'aller le vendre. Ok. Et voilà, j'ai réglé l'histoire. J'ai du coup pris l'option petit cultivateur. Ça va être petit, mais bon, on va faire comme ça pour le moment. On fera avec. Je vais déjà mettre un ouvrier ici. Ok, il est parti. On va prendre celui-ci. On va lui mettre un petit poids. Ouais, l'autre cultivateur était beaucoup trop gros pour mon tracteur. J'investirai quand j'aurai de l'argent et quand je pourrai déjà acheter un autre tracteur. Mais de toute façon, il me fallait un cultivateur. Donc voilà, ouais, j'ai pris l'option petit cultivateur. J'ai vendu l'autre pour une misère d'ailleurs. Je m'embête un peu, mais bon, c'est pas grave. Et hop. Hop là! Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de FS15 hein, dans les commentaires. Ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, mais bon, voilà, on n'y a jamais trop parlé. D'ailleurs, ça fera l'occasion de quand pour ceux qui veulent venir jouer avec moi, ça fera l'occasion un peu de discuter, de se rencontrer et de parler un peu d'autre chose que de jeu peut-être. Et parler aussi des jeux plus profondément. Chacun son avis, chacun sa route, chacun son chemin. Tac, ok, c'est garé, c'est tout nickel. Ok, oh, je l'aime bien ce petit tracteur, il est quand même pas mal. Peut-être le souci c'est qu'il ne se salit pas. Mais je trouve ça un peu dommage. On va faire avec pour l'instant, peut-être que je changerai petit à petit. Ah si, il a l'air de se salir. On verra, on va laisser bosser un peu. Celle-ci, on va la garer dans un coin. C'est ma voiture d'affaires. J'ai pris marron, hein. La couleur n'est pas très jolie, mais c'était pour changer un peu. J'en ai marre des couleurs vives.
On va la mettre genre là-dedans. Et tac. J'aimerais bien aussi mettre un hangar, donc avec ouverture de partout, mais juste un toit en fait, sur cette grande plateforme, si je peux. Donc mettre un grand toit pour avoir des véhicules à l'abri en fait. Pour faire un grand garage au milieu. On verra, il faut que je trouve un peu le mode. Si vous en avez, proposez-les-moi. Et je ferai en sorte peut-être de les mettre sur la partie. Et voili, voilou. Je vois où on est le. Ok, donc il est presque plein. On va aller tout de suite vider tout ça. J'aime bien ce Dutch là, il est vraiment cool. Les tracteurs sur FSK, je trouve qu'ils ont bien changé et le boulot est complètement énorme. Un peu la petite vue d'intérieur. Je joue rarement avec la vue d'intérieur, faudrait que je prenne un peu l'habitude de jouer comme ça. C'est vrai que je joue rarement comme ça, mais j'ai pas l'habitude aussi. Après, on va parler un peu de la carte, parce que du coup, je n'ai pas du tout parlé de la carte pour l'instant. Donc, nous sommes au milieu, là où ça clignote, où il y a deux volants, les deux ouvriers en train de bosser, avec la ferme, le poulailler, des petites missions. Il y a la jardinerie en haut, la ville de Westbridge, je pense, en haut à gauche, entre le 1, en dessous du champ 2. Et la particularité un peu de cette map, c'est que des grands champs. Donc si t'as envie d'exploiter, à part on va dire le 5, le 6 et le 19 et le 20, les trois quarts des champs sont vraiment grands. Donc si t'as envie d'avoir une exploitation, c'est bien d'investir dans des matériels assez larges et pour une meilleure rentabilité. Donc c'est un peu l'objectif. Et du coup, voilà un peu pour la map. Et on va voir un peu les semences que nous avons dans notre exploitation. Donc on a quand même pas mal de blé pour ça, puisque je viens de mettre presque 10 000. Donc je pense qu'il y avait 16 000 un peu tout, 17, c'est entre 16 et 18 000. On a pas mal de betteraves, copeaux de bois, lime. Lime, lime, lime. What is this? Alors là, ça me pose une petite colle. Lim, ok. Donc je sais pas trop ce que c'est. Si vous savez, dites-le-moi. Sinon, c'est pas grave, vous embêtez pas. De toute façon, je compte pas utiliser du lim ou vendre du lim pour le moment. Je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, voilà. Donc nous, on va se lancer un peu dans l'exploitation de betteraves sucrières pour un champ. Et j'aimerais acheter d'autres champs, donc pourquoi pas acheter dans un premier temps peut-être le 5 et le 6. C'est des champs petits qui peuvent être exploités assez facilement. Ou alors le 19 et le 20. Voilà, des petits champs pour l'instant. Et petit à petit, on va investir dans les gros champs, gros tracteurs, grosses machines. Enfin, en mode ricain, quoi. En mode Westbridge Hill. Enfin, voilà, un peu pour vous parler de la partie. Je vais pas trop m'attarder pour le moment. C'est un peu la partie, on va dire, le premier épisode de présentation de ce que je vais faire et de ce qu'on va faire ensemble. Donc encore une fois, dites-moi dans les commentaires ou sur YouTube ou sur Skype, enfin si vous connaissez un peu tous mes trucs, dites-moi si vous voulez participer sur cette petite exploitation avec moi, m'aider, rigoler et partager un peu des moments ensemble. Et voilà, merci encore de m'avoir suivi, merci encore de tout ce que vous faites pour moi. Je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 2, je vous laisse le petit choix d'une vidéo après cette vidéo-là. Merci encore, bisous, thank you so much, and bye bye, bis 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 bis.